خاطر وداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. مساء الخير عليكم، مازول في اللون والسلام عليكم. جيسبر كو فوز الي بيان، جيسبر كو فو بورتي بيان. جو بونس كو فو سافي فو فو اتوندي اسكو نو بارلي انكور اون فوا اسكو نو بارلون انكور اون فوا دو ليليكسيون بريزيدونسيال انتيسيبي. جو بونس كو فو الي فو ابيتوي ا سو سوجي باسكو دون لي جور افنير بوندون او موان انكور اون سيمين نو سوم اوبليجي دو بارلي دو سيت سيكونس بوليتيك اكستراوردينيرمون انيديت دون ليستوار دو لالجيري. ليليكسيون بريزيدونسيال انتيسيبي، ليليكسيون لا بلوز امبوبولير، لا بلوز ايليجيتيم، لا بلوز رجيتي، لا بلوز بويكوتي بار لا بوبولاسيون الجيريان، افيك دي ريزولتا très très surprenant, avec Abdelmadjid Tebboune minoritaire, un Abdelmadjid Tebboune qui a été élu par une minorité de la population algérienne. Alors, il y a toujours les recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui seront déposés. Vous avez bien suivi la polémique. Les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections ont été contestés, ont été critiqués, ont été remis en cause, y compris par la délégation de campagne de Abdelmadjid Tebboune. On en a déjà parlé le Bérah, hier. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde ou un vainqueur d'une élection présidentielle qui va contester ou qui va remettre en cause la fiabilité de l'élection qu'il a donnée gagnant. C'est la première fois qu'un vainqueur d'une élection conteste et dénonce l'ambiguïté, les incohérences, les contradictions des résultats d'une élection qu'il a remportée haut la main. Yani lui, c'est lui le gagnant, il a avec un score écrasant, mais lui-même conteste la légitimité ou la fiabilité ou la crédibilité de ses résultats. C'est inédit, donc la Cour constitutionnelle doit se prononcer. Le taux de participation officiel et définitif n'a pas été révélé. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui va, dans les jours à venir, proclamer tous les chiffres officiels? On n'en sait rien. La loi électorale en Algérie, en mars 2021, elle précise bien que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui doit donc confirmer officiellement les résultats de l'élection présidentielle en Algérie. Ça c'est sûr, mais elle a un délai d'ailleurs qui peut aller jusqu'à 10 jours. Normalement, la Cour constitutionnelle informe le candidat déclaré élu dont l'élection est contestée qu'il peut produire un mémoire écrit dans un délai de 72 heures à compter de la date de sa notification. Ensuite, la Cour constitutionnelle statue sur les recours dans les 3 jours. Si elle estime le recours fondé, elle reformule par décision motivée le procès-verbal des résultats établis. Ensuite, elle proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle dans un délai de 10 jours à partir de la date de réception des procès-verbaux transmis par le président de l'autorité indépendante des élections. Mohamed Charfi, hier soir, il a dit que le 9 septembre, il a tout transmis. Il a transmis tous les procès-verbaux dans les commissions électorales de Wilaya et communales au niveau de la Cour constitutionnelle qui doit donc analyser tout cela. C'est beaucoup de travail, c'est énormément de chiffres, énormément de rapports et de procès-verbaux. Ensuite, c'est à la Cour constitutionnelle d'établir ou de, normalement, mais la loi, ce qu'elle dit, elle doit proclamer les résultats définitifs. C'est elle qui doit proclamer les résultats. Mais est-ce que c'est à elle de donner le nombre des bulletins nuls, des bulletins blancs, ou là du taux de participation, ou du taux d'abstention? Ça, on ne le sait pas. La loi électorale ne le dit pas. En tout cas, dans les 10 jours à venir, il y aura beaucoup de suspense. Parce que l'autorité indépendante des élections, comme on l'a expliqué hier, elle a été soumise à de fortes pressions. Et Mohamed Charfi a préféré s'en laver les mains et ne pas assumer la moindre responsabilité qui pourrait lui coûter énormément de problèmes sur le plan pénal et judiciaire. Il a renvoyé la balle vers la Cour constitutionnelle. Lui, il a donné que le nombre des votants, mais il n'a pas donné le nombre de, n'a pas donné le taux de participation. Bon, on verra ce qui va se passer avec la Cour constitutionnelle, mais déjà, les résultats de l'autorité indépendante des élections sont extrêmement intéressants. Je le dis et je le répète, sont extrêmement intéressants puisqu'ils nous permettent de savoir le nombre des personnes qui ont voté pour Abdelmadjid Tebboune. Le nombre des personnes qui ont voté pour Abdelmadjid Tebboune. Et là, un constat. Nous sommes intéressés au nombre des votants, aux personnes qui ont voté wilaya par wilaya. L'Algérie compte depuis 2021 58 wilayas. Voilà. Sur les 58 wilayas, il y avait chaque wilaya a son corps électoral, elle a un nombre précis d'électeurs et d'électrices. Et dans chaque wilaya, il y a un score différent, il y a un taux de participation différent, et il y a un score différent pour les 3 candidats qui devaient concourir aux élections présidentielles. Force est de constater, ce qui est quand même incroyable, c'est que le candidat Abdelmadjid Tebboune, l'homme qui a gagné cette élection, le président sortant qui a été réélu pour un deuxième mandat, n'a pas gagné, n'a pas remporté, ou là n'a pas obtenu plus de 200 000 voix, n'a pas dépassé la barre des 200 000 voix dans aucune des wilayas du pays. Il n'y a pas une wilaya où il a gagné, où il a obtenu plus de 200 000 voix. Il n'y a qu'une seule wilaya où il a obtenu beaucoup plus de 200 000 voix. C'est la wilaya de Oran.
À Oran, c'est la wilaya où Abdelmajid Tebboune a été le mieux élu, on va dire. C'est la wilaya d'Oran, où il a obtenu plus de 300 000 voix. Mais à part Oran, où Abdelmajid Tebboune a obtenu plus de 300 000 voix, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, ça mériterait une enquête. Pourquoi à Oran, on a voté beaucoup plus pour Tebboune, alors que dans les autres wilayas, on n'a pas voté autant pour Tebboune qu'à Oran? En tout cas, mis à part Oran, où il a obtenu plus de 300 000 voix, je vais vous donner les chiffres, aucune autre wilaya, dans aucune autre wilaya, Tebboune n'a pu dépasser la barre des 200 000 voix qui lui ont été accordées, ou des 200 000 personnes qui ont voté pour lui. La preuve, à Adrar, par exemple, Abdelmadjid Tebboune a pris 63 370 voix. Uniquement 63 370 voix. Une wilaya, quand même, où Abdelmadjid Tebboune a été wali, je rappelle, par le passé. Zid, Chlef, Tebboune a obtenu 113 000 voix, plus de 113 395. Chlef, c'est l'une des wilayas les plus importantes du centre du pays, 113 000. La Rouat, elle a obtenu 100 000 voix, 108 000, 108 000, presque 109 000 voix. Om El Bouaghi, 100 000 voix, 100 495. Betna, 192 000. Il s'est rapproché des 200 000, mais déjà 200 000 voix, 192 000. Bjaïa, Tebboune, on va faire la Kabylie à part, Nahasbou, la Kabylie Khloa à part, parce qu'on va Bjaïa, 27 356, uniquement 27 000. On va faire une émission spéciale sur la Kabylie, parce que la Kabylie a été au cœur des préoccupations et des manœuvres du régime algérien. Et beaucoup ont essayé de nous faire croire que la Kabylie a été réhabilitée, domestiquée, et qu'elle allait vraiment se mobiliser avec la présence du FFS et du Youssef Hachiche. Ça n'a pas été le cas. Bjaïa Khloa à part. Beskara, Abdelmadjid Tebboune a obtenu 87 179 voix. Même pas 100 000 voix à Beskara. Beskara, ça reste une wilaya importante quand même. À Béchar, Tebboune a obtenu 31 811 voix. Ça reste quand même très très peu. Mais vraiment, vous allez voir, il n'y a pas une wilaya, je dis bien, il n'y a pas une wilaya où Abdelmadjid Tebboune a dépassé les 200 000. C'est quand même impressionnant, alors que il y a des wilayas, bon, qui sont un peu plus peuplées, etc., mais il y a des wilayas qui sont extrêmement peuplées. Et malheureusement, Malkash, yani Medjeb, je fais plus de 200 000. Samhou les Bokej, je règle un problème, retour à nos moutons. Kemelou, Bachar. Blida, c'est une wilaya importante, 100 000, 114 000 voix. Pas de, toujours au-dessous de la barre de 200 000. Bouira, 166 000 voix. Bouira, ça reste une wilaya importante. Elle est partiellement liée à la Kabylie. Tamanra, c'est 32 000 voix. Tbessa, 157 000 voix. Tlemcen, 160 000 voix pour Tebboune. Tiered, 140 000 voix pour Tebboune. Tizi Ouzou, par exemple, Tiered, elle est peuplée par plus de 400 000 personnes. Sur 400 000 personnes, etc., Tebboune n'a récolté que 140 000. C'est-à-dire que, je sais même pas la moitié, mais à peine le tiers de la population de Tiered. Tizi Ouzou, 35 000. On parlera de Tizi Ouzou de la Kabylie à part. Alger, c'est une région, par exemple, de 8 millions de personnes, quand même. Bah, Alger, c'est 165 000 personnes ont voté pour Tebboune. Tebboune n'a pas dépassé la barre des 200 000 personnes qui ont voté pour lui, n'a pas dépassé la barre des 200 000 votants à Alger non plus. En dépit qu'à Alger, il y a quand même 10 millions d'électeurs et d'électrices. C'est la région là où il est la plus peuplée du pays. Djelfa, Tebboune, 196 000 voix. Djelfa, Tebboune l'a visité, il a été sur place, il a été à deux fois, deux reprises durant son mandat, une fois pour participer à un exercice militaire important, une fois pour une visite de terrain, il a inauguré une gare, il a promis des logements, etc. Ben, il n'a pas obtenu plus de 200 000 voix, en tout cas, il n'a pas pu dépasser la barre des 200 000 voix. Djidjil, 93 000 voix. Steve, 153 000 voix. Steve, c'est une wilaya importante, l'une des wilayas les plus peuplées du pays. Uniquement 153 000 votants ont donné leur voix pour Tebboune. Saïda, 79 000 voix. Skigda, 123 000 voix. Sidi Bel Abbès, 112 000 voix. Annaba, une wilaya aussi importante, uniquement 70 000 voix. Ça veut dire que le taux d'abstention à Annaba était vraiment très élevé. Annaba aussi, c'est une wilaya qui est parmi les plus peuplées du pays. Guelma, 75 000 voix. Santéna, une troisième ville du pays, troisième pratiquement parmi les 4 ou 5 wilayas les plus peuplées du pays. 57 000 voix. 55 000 votants pour Tebboune uniquement à Constantine. Mdia, 129 000 voix. Mostranem, 136 000 voix pour Tebboune. Msila, 188 000.
Mascar 193 000, on se rapproche de la barre des 200 000, mais ça n'est toujours pas franchi par la Abdelmajid Tebboune. Wulgla 49 000, même pas 50 000 voix. Wahran, c'est là celui-là où il y a eu plus de 300 000 voix, 300 000 votants pour Tebboune. 312 000 votants pour Tebboune à Wahran. C'est là celui-là. Aucune autre wilaya de Abdelmajid Tebboune n'a obtenu beaucoup de votants. La seule wilaya où Tebboune a obtenu le plus de votants, c'est Oran. D'ailleurs, ça mériterait vraiment un éclairage, une analyse, une enquête. Pourquoi Oran s'est largement mobilisé en faveur de Tebboune? La question reste posée. Par rapport à d'autres wilayas du pays, Bayad, 64 000 voix pour Tebboune, Élysée, 20 000 voix, Bojboiré, 98 000 voix, même pas 100 000 voix, alors c'est l'une des villes les plus importantes de l'intérieur du centre du pays. Boumerdès, une ville importante du centre du pays, 59 000 voix. Pour Tebboune, Tarf, 104 000. Tindouf, 34 000. Tessim Sylt, 50 000 voix. Loued, 82 000 voix. Khenchla, 80 000 voix, alors que Khenchla a été visité par Tebboune, etc. Soukaras, 73 000 voix. Tipaza, même pas 100 000, c'est l'une des régions les plus importantes du centre du pays, 90 000 voix pour Tebboune. Mila, 102 000 voix. Indefla, 112 000 voix pour Tebboune. Naama, 42 000 voix, presque 43 000 voix pour Tebboune. Intimouchen, 78 000 voix pour Tebboune. Gherdaya, même pas 50 000, 47 000 voix pour Tebboune. C'est l'une des wilayas les plus stratégiques du sud centre du pays, 47 000. Glizan, 117 000 voix pour Tebboune. Timimoun, nouvelle wilaya récemment créée en 2021, 27 000 votes pour Tebboune. Bourzbaji Mokhtar, 33 000 votes pour Tebboune. Ouled Jilal, 25 000 votes pour Tebboune. Bdi Abbas, 140 000. Aïn Salah, 17 000 votes. Bdi Abbas, je répète, 14 000. Je ne suis même pas 140 000, mais 14 000 votes. 17 000 votes à Aïn Salah. Aïn Gizem, 30 000 votes. Tougourt, 48 000 votes pour Tebboune. Djanet, 12 000 votes pour Tebboune. El Mghir, 29 000 votes pour Tebboune. El Mnia, 14 000 votes pour Tebboune. Et voilà. Aucune wilaya Tebboune n'a dépassé la barre des 200 000. Mis à part à Oran, où il a dépassé la barre des 300 000. Oran, elle se distingue énormément des autres wilayas du pays. C'est la wilaya qui a le plus voté en faveur de Tebboune. 300 000 et quelques. Les autres, dans aucune autre wilaya, Tebboune n'a dépassé les 200 000. Ça reste surprenant. 200 000 votants, c'est rien. Pour un président qui a été pendant 5 ans à la tête de l'État, qui est largement médiatisé, qui a été largement soutenu par tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations de masse affiliées au régime, qui a eu le soutien des patronats le plus important du pays, qui est le CREA, qui a eu tous les médias, toutes les télévisions étaient avec lui, une coalition des partis, les millions, la majorité écrasante des meetings électoraux qui ont été organisés à travers le pays étaient en faveur de Abdelmajid Tebboune. Mais il n'y a pas une région où Tebboune a dépassé les 200 000 votants. Il n'y a pas, mais ça part au rang. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle sur le rejet, sur la désaffection, sur le désaccord de la population algérienne avec le régime, sur l'échec d'Abdelmajid Tebboune pendant son premier mandat. Il y a un échec clair, il n'a pas pu fédérer, il n'a pas pu séduire, il n'a pas pu attirer vers lui. Ce n'est pas du tout une victoire. Le score de 94% finalement est vraiment trompeur. Est vraiment trompeur parce que ce qui compte, c'est le nombre des votants. Le nombre des votants est extrêmement faible. Il est extrêmement faible. Quand on dit wilaya Ntaya Ahmed, dit wilaya Kima Sitif, ou Kay Allah Iberk, la ville de Sitif Wahad Haberk, elle est plus, pratiquement 2 millions d'habitants. Sur 2 millions d'habitants, il n'y a même pas 200 000 personnes qui ont voté pour Tebboune, il n'y a même pas 10% de la population de la wilaya. C'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. Alger, Manahadroj. Alger a une mégapole maintenant, pratiquement 8 millions de personnes avec les villes et les agglomérations environnantes. Il n'y a même pas eu 200 000 votants pour Tebboune. Cela soulève des interrogations qui mériteraient un débat, qui mériteraient une réflexion. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison du malaise? La politique de Tebboune n'est pas du tout adaptée aux besoins de la population algérienne. Elle n'a pas suscité l'enthousiasme. Elle n'a pas suscité l'unanimité. Elle ne suscite pas l'adhésion de la population. Tebboune devra réfléchir sur lui-même. Cette victoire est un fardeau pour lui-même. Ce second mandat, c'est un fardeau. Ce n'est pas un privilège finalement pour lui. C'est un véritable. Pourquoi Oran, ça marche plus qu'à dans les autres wilayas? Est-ce que c'est les effets des Jeux méditerranéens? Alors qu'on sait, les Jeux méditerranéens, c'était
plus Bouteflika que Tebboune? Est-ce que c'est le fait que Oran a organisé les Jeux méditerranéens, etc.? Est-ce que c'est l'effet du nouveau Wali qui est sur place, le Wali Sayoud qui est sur place, qui fait un bon travail, que la population aime bien ou n'aime pas? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Oran, 300 000 voix, c'est la seule wilaya à 300 000 et quelques voix. Le Khalenga, 200 000 voix. En tout cas, il y a des interrogations. Il y a des interrogations. Maintenant, est-ce que ces chiffres ont été plus gonflés ailleurs dans les autres wilayas que non? Est-ce qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été trafiqués? Est-ce qu'il y a eu des wilayas qui ont rajouté des chiffres? La Cour constitutionnelle devra nous rendre des réponses. Mais en tout cas, les chiffres de l'ANI sont très clairs et nets et précis. Il y a un plus qu'un divorce. Il y a un rejet de la population algérienne de la politique conduite par le pays. Les Algériens ne sont pas du tout contents. N'ont pas été contents du premier bilan de Tebboune et ne sont pas contents que Tebboune veuille ou ne sont pas d'accord que Tebboune soit reconduit pour un deuxième mandat. La preuve, ils n'ont pas voté beaucoup pour lui. Ils n'ont pas voté pour ses concurrents parce que ses concurrents sont inconnus au bataillon. C'est des politiciens, des politicards totalement incompétents et inconnus, inexpérimentés. Donc, ils n'ont pas le choix que de ne pas voter. Ils n'ont pas voté. Ce qui est incroyable, ce qui est étonnant, ce qui est inquiétant. Maintenant, la reste, la donnée est inquiétante, oui, pour l'avenir du pays, parce que nous allons avoir comme président pendant les 5 années à venir quelqu'un qui n'est pas très populaire, qui n'a pas le soutien de toute la population algérienne, ou d'une partie importante de la population algérienne. Reste maintenant la donnée, les chiffres que nous sommes en train d'enquêter pour les obtenir, là, le nombre des bulletins nuls et le nombre ou là, des bulletins blancs. Ça peut être une donnée qui va nous renseigner aussi sur les intentions, sur l'état d'esprit des Algériens et des Algériens. On reviendra sur ce sujet avec de plus amples explications dans nos prochaines éditions, Inch'Allah.